marqué ma solidarité personnelle, celle de l'UFDG, de l'opposition républicaine, à l'endroit de nos frères et sœurs, dont les boutiques, les kiosques ont été calcinés par cet incendie. J'ai noté qu'il y a eu des dégâts importants, mais on m'a aussi informé des efforts louables déployés par la gendarmerie et surtout par les sapeurs-pompiers qui ont pu maîtriser la flamme. Mais celle-là avait déjà détruit beaucoup de boutiques, beaucoup de marchandises. Je voudrais exprimer ma solidarité, comme je l'ai dit, avec nos frères et sœurs commerçants et commerçantes dont les biens ont été détruits par cet incendie. Souhaiter que des enquêtes soient menées pour situer l'origine de l'incendie, qui peut être criminel, qui peut être accidentel. Je pense que c'est trop tôt pour dire qu'il s'agit de ceci ou de cela, même s'il y avait des menaces de mettre le feu à Madina. J'espère que les investigations conduiront à des conclusions objectives qui permettront de situer l'origine de l'incendie. Voilà un peu l'objet de ma visite ici. Je prie, comme je suis croyant, musulman, comme on dit, que Dieu puisse aider ceux qui ont été sinistrés pour qu'ils puissent se relever économiquement et financièrement et que Dieu épargne notre pays de telles calamités. Amen.